Nous avons été invités en bonne et due forme par le gouvernement qui nous a envoyé d'abord, le Premier ministre nous avait d'abord reçu et nous a parlé du dialogue, nous a invité à ce dialogue. Nous avions répondu favorablement en lui adressant une lettre, la lettre que voici, que nous avons envoyée au Premier ministre depuis le 20 janvier 2015 pour dire que nous étions d'accord avec le dialogue, mais à condition que ce dialogue réponde à certaines normes, qu'il ne s'agisse pas seulement d'un dialogue pour organiser des élections ou faire quelque chose de ce genre, mais qui puisse poser les problèmes de fond du pays, en particulier les problèmes liés à l'unité nationale. Et que si ce sont ces problèmes-là qui seront discutés, nous serons présents. Ensuite, le secrétaire général de la présidence de la République nous a écrit une deuxième lettre. C'était le 11 août courant. Nous lui avons répondu tout récemment pour lui dire que nous avions répondu déjà favorablement. Il n'a qu'à se référer à la lettre que nous avons adressée au Premier ministre et nous avons joué cette lettre. Donc, dans le principe, nous étions d'accord pour assister à ce dialogue. Mais quand j'ai rencontré le Premier ministre il y a quelques jours, je lui ai fait savoir que nous sommes d'accord pour participer au dialogue dans les conditions que nous avions arrêtées. Donc nous sommes d'accord pour participer au dialogue dans les conditions que nous avions arrêtées. Mais si d'aventure, à l'ouverture de la séance, nous nous rendons compte que la JDMR est le seul parti significatif qui est en face du pouvoir pour ce dialogue, nous ne viendrons pas. Si nous ne constatons pas la présence de certains leaders de l'opposition parlementaire, nous ne viendrons pas à ce dialogue. Parce que ce n'est pas à cause d'eux, mais cela signifie simplement que l'HDMR serait le seul parti qui va aller au dialogue avec le pouvoir. Et nous nous souvenons que nous avons déjà fait un dialogue avec le pouvoir par le passé. Et ce dialogue-là, nous ne l'avons pas demandé. Nous ne sommes pas demandeurs de ce dialogue en cours. C'est le pouvoir et l'opposition, n'est-ce pas, qui ont parlé de ce dialogue et qui voulaient nous convier. Nous étions prêts à y participer pour apporter notre contribution dans le sens que nous avons dit. Mais si personne ne vient et il ne reste plus que le pouvoir et nous estimons que ce n'est pas la peine parce que nous avons déjà discuté avec le pouvoir il y a quelques années sur la base de 7 points que nous avions posés et que le pouvoir les avait acceptés. Nous avons paraffé à l'hôtel Wissal, mais rien n'a été, n'est-ce pas, respecté pendant un an de cohabitation. À partir de ce moment, nous estimons que ce n'est pas la peine de refaire encore un autre dialogue avec le pouvoir. Voilà les raisons qui ont fait que nous ne sommes pas partis. Donc, qu'on soit très clair, ce n'est pas parce que l'opposition n'est pas venue qu'on n'est pas venu. Ce n'est pas les autres qui nous entraînent, c'est loin de tout cela. Mais c'est parce que simplement, nous constatons que nous sommes les seuls face au pouvoir. Et déjà, nous avions été par le passé seuls face au pouvoir, mais ça n'a pas donné de résultat. Voilà donc pourquoi nous estimons, n'est-ce pas, ne pas devoir assister à ce dialogue. Voilà un peu la raison qui nous a amené à prendre la décision. Donc notre parti n'est pas présent aux discussions présentes. En gros, c'est la position que je voulais vous communiquer. Au niveau de la JDMR, notre vision du problème, nous pensons qu'aujourd'hui, la situation en Mauritanie est arrivé à un niveau où le système qui nous gouverne est arrivé à terme. Le système qui nous gouverne est arrivé à terme. Il ne peut plus se transformer par lui-même. C'est ce que nous croyons en tout cas. Pourquoi? À cause de deux raisons fondamentales. Parce que les tenants du système n'ont pas été intelligents comme les Sud-Africains blancs, par exemple, l'ont été, pour pouvoir changer leur système. Et deuxièmement, parce que l'opposition n'a pas saisi les opportunités historiques qu'elle avait de déconstruire le système lui-même. Voilà donc les deux raisons qui ont fait qu'aujourd'hui le système qui nous gouverne est arrivé à saturation, il est arrivé à terme, il ne peut pas se renouveler par lui-même à partir d'un géopolitique
ou à cause, n'est-ce pas, de discussions ou autre chose de ce genre. C'est dans cette condition que nous, au niveau de la JDMR, nous pensons que ce n'est pas par le biais des élections, ce n'est pas par le biais de l'Assemblée nationale, ce n'est pas par le biais de l'action des partis politiques, ce n'est pas par le biais d'autre chose que nous arriverons à déconstruire le système qui est aujourd'hui en place. Par conséquent, qu'est-ce qu'il reste à faire? Nous pensons que la seule alternative pour les gens de la JDMR, c'est de continuer à travailler avec les Mauritaniens dans leur grande majorité, pour continuer à leur poser les problèmes, pour la nécessité qu'ils se mettent d'accord, n'est-ce pas, sur des positions très claires en vue de reconstruire la Mauritanie au cas échéant. Nous ne souhaitons rien de mauvais à ce pays. Nous lui voulons du bien. Mais dès l'instant où le système est bloqué, il n'y a qu'une chose qui l'attend, c'est qu'il se déconstruit de manière automatique, n'est-ce pas, de l'intérieur ou bien de l'extérieur. Il peut y avoir une implosion ou une inaction extérieure. On ne souhaite pas du mauvais pour le pays, mais étant bloqué, il n'y a pas d'autre solution. Mais si on arrive à cette situation-là, il faut bien qu'il y ait des Mauritaniens qui sont capables de se donner la main pour reconstruire une nouvelle Mauritanie. C'est à cela que nous attendons. C'est dans ce contexte que nous continuons à parler. C'est dans ce contexte que nous continuons à mener notre action politique au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de notre parti politique, dans les rencontres que nous faisons pour appeler les Mauritaniens à se regarder en face et à prendre les décisions qui sont importantes pour reconstruire la Mauritanie. Il s'agit de le sauver. C'est à ce niveau que nous nous situons. Et dans ce contexte, nous commençons à voir les fruits de notre action. Nous constatons maintenant que du côté, par exemple, de la communauté arabe, puisque nous sommes des négro-africains et nous posons des problèmes en termes de cohabitation, nous commençons à voir des Arabes qui pensent maintenant comme nous, qui posent des problèmes comme nous. Et nous estimons qu'il y a là une lueur d'espoir. Et je n'en veux pour preuve que ce colonel de l'armée, Oud Boubacar, vous avez tous entendu parler de Oud Boubacar. Vous avez entendu ce qu'il a commencé à dire. Mais Oud Boubacar n'est pas à ses premiers mots. Ce n'est pas maintenant qu'il a commencé à faire. Oud Boubacar nous a trouvés en prison à Ouarata. Et nous savons que tout ce qu'il dit, il y croit. Et moi, je l'ai approché. Je comprends parfaitement le sens de son combat. Et je sais qu'il va plus loin que beaucoup de négro-africains. Je sais qu'il va plus loin que beaucoup de négro-africains dans la solution concrète du problème de cohabitation. C'est ça qui nous donne du courage pour comprendre qu'il est possible, effectivement, de trouver d'autres Mauritaniens qui ne soient pas des négro-africains, capables de nous comprendre et avec lesquels nous pouvons construire une nouvelle Mauritanie. Donc, c'est à ce niveau que nous sommes arrivés et nous continuons à travailler dans ce sens. Nous ne faisons aucune illusion. Ce n'est pas par le biais de nos actions politiques que nous allons déconstruire ce système. Mais il faut continuer à parler, à poser les problèmes pour qu'effectivement tous les Mauritaniens arrivent à comprendre maintenant qu'il n'y a pas d'autre solution pour la Mauritanie qu'effectivement que de repartir sur des bases saines pour qu'il y ait une cohabitation harmonieuse où tous les fils du pays se sentent égaux, n'est-ce pas, chez eux.